Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez ici, voilà, ça va quand même le moral, tout ça, ça va, mais voilà. J'ai appelé ce matin le médecin, il n'avait aucune place aujourd'hui et demain, mais il y a eu un désistement. Du coup, demain matin, il me prend à 8h45, en sachant que je prends à 10h30. Je suis dégoûtée parce que j'aurais pu dormir un peu plus, mais voilà, je ne vais pas rester comme ça indéfiniment. Et puis c'est surtout que j'ai un partiel, le partiel la semaine prochaine, ma course, voilà, on va aller voir ce qu'il y a. Je suis dans un endroit où je ne peux pas trop vous en parler, je vous en parlerai en temps et en heure, je vais même être plus précis, vous serez sûrement dimanche prochain. Je vais acheter le cadeau d'anniversaire à Vincent. Je suis contente parce que j'ai fini à 16h l'IFAS. Vincent n'est pas au courant, entre guillemets. Il sait que si je finis plus tôt, je dois m'arrêter à Grandfray. Chose que je vais faire. Mais c'est surtout là que je voulais aller. Je ne savais pas quand est-ce que je pouvais y aller. Et j'ai de la chance. J'ai fini à 16h, donc je vais faire ça. Après, je vais aller dans un autre magasin chercher le deuxième cadeau à Vincent. Et si j'ai le temps, je m'arrêterai à Tape à l'œil. Acheter un maillot de bain pour bébé Raph et 2-3 petites bricoles pour son anniversaire. Et j'aurais plus qu'à acheter un petit jeu et ça ira très bien. En attendant... Ah, un avion. Regardez, je sais pas si vous allez bien voir. Ah, j'essaye. Je suis avec le téléphone, hein, donc c'est pas simple. Donc bref, voilà. J'ai Paul ce soir, j'ai oublié de prendre un short. Donc je vais voir, je vais envoyer un message à Manon pour savoir si elle peut me dépanner d'un short parce que j'ai vu qu'elle venait. Donc voilà. Voilà pour tout ça. C'est compliqué de pas pouvoir parler. Puis plus je force, plus ça me fait mal. Bonjour de la Paul. Je vais devenir à faune. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai acheté à grand frais. Donc je vais vous filmer comme ça. Et je vous mettrai une petite musique parce que là, fini ton pipeau. Cuando te vi con tu vestido que quita el aliento en un segundo comprendí que era el momento que buscaba. Cuando te vi supe que el destino te puso esta noche para mí y no me aguanté la gana. Ey, hagamos esto sin apuro, que entre tú y yo siento un amor puro. Bon, franchement, je sais pas ce que ça va donner. Je crois que c'est la première fois que je filme en courant. Je suis en train de m'échauffer, ça fait 15 minutes. Et après, je vais faire mes accélérations. Alors, si je me mets là, ça va pas. Le truc, c'est que je voulais faire mes 50 minutes, mais je peux pas. Parce que déjà, je suis un peu prise par le temps. Il commence à faire tout noir. Et de deux... Je me dis que 50 minutes, j'aurai le temps de la faire, cette séance. Tandis que là, cette séance de fractionner, c'est sympa de la faire aussi dans la nature. Je suis désolée si je vous donne le vomito. Enfin bon, voilà, c'est juste pour essayer. Vu que normalement, je suis censée pouvoir discuter en même temps, je teste. Voilà. Bon, je viens de finir. J'en ai chié. Je sais même pas si je vous ai dit bonjour ici, j'étais pas mal sur Instagram aujourd'hui. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais ouvrir mes deux petites accélérations. C'est trop chaud. Écoutez, ici ça va. Donc du coup j'ai fait ma petite séance de running du jour. Je devais faire 50 minutes comme je vous disais, si la prise en courant a marché, parce que des fois quand je bouge trop, ça bug sur mon téléphone, vous savez. La séance de 50 minutes, c'était une séance que je devais faire. Quand est-ce que je devais la faire? Mercredi? Non. Mercredi, si. Mais finalement, bah, du coup, je ne l'ai pas faite, j'étais pas bien. Et je crois qu'il y avait un manque de temps. Non, j'avais oublié mes baskets. J'avais tout pris sauf mes baskets. Donc, du coup, j'avais la flemme de courir 50 minutes le soir. Les enfants avaient été compliqués et tout. Enfin, c'était la merde. Et jeudi, j'ai Paul. Donc, voilà. Quoique j'aurais pu parce que j'ai fini un peu plus tôt. Mais j'ai fait plein de petites choses. Entre temps, les courses que vous avez dû voir avec une petite musique sympatoche. Parce que hier, j'étais en extinction de voix. Je pense que je vais être en extinction de voix ce soir. Parce que j'ai trop parlé, j'ai trop abusé sur ma voix et je sens que ça me fait mal. Et c'est pas la course, franchement, en vrai, vous voulez que je vous dise, tous ceux qui vont me dire « Oui, Manon, en même temps, tu vas courir, et pia, pia, pia !»
je n'irai pas courir si je ne m'en sens pas capable. De deux, je ne me mettrai pas en danger d'avoir une blessure une semaine avant la course. De trois, ça ne me gêne pas du tout, ça ne m'a pas brûlé rien. Parce que là, j'ai pris mes médicaments, j'ai pris la cortisone et ça je sens que ça fait effet. J'ai pris mon doliprane il y a peu de temps. Ce qui me gêne le plus, c'est les écoulements de naseaux, parce que j'ai pas pris le mouchoir, et le souffle, parce que je pense que j'étais fatiguée ces 2-3 derniers jours et que j'ai pas une forme olympique avec une nuit de sommeil, vous voyez. Mais c'est pas grave, j'ai quand même fait ma séance de 36 minutes, c'était aujourd'hui. Je devais courir 20 minutes, enfin échauffement 20 minutes, pour mon endurance fondamentale, et après, voire même un peu plus lent que mon endurance fondamentale, je me suis forcée à ne pas descendre en dessous de 7, ce qui est quand même assez rare pour moi. Et après, je devais courir à une allure 10 km, donc l'allure qu'il faudrait que je tienne au minima pour atteindre mon objectif de moins d'une heure. Donc voilà, je l'ai faite avec les accélérations qu'il fallait. Je devais courir pendant 2 minutes à l'allure que je voulais obtenir pour le samedi prochain. Et puis voilà. Voilà, et après il y avait une minute de repos entre les 2 minutes, je vais faire ça 4 fois et recourir 5 minutes à allure classique. Donc j'ai tout fait. Je suis à J-7 de mon partiel et J-8 de ma course. Ça va vraiment être riche en émotions la semaine prochaine, je vous jure. Voilà pour tout ça. Je voulais vous dire autre chose aussi. Oui, la course que je vais faire, c'est une course en semi-nocturne. Il me semble qu'elle est à 18h ou 18h30. Donc c'est pareil, ça va pas du tout être le même physique que quand vous faites une course le matin, hein. Donc il va falloir que je fasse une bonne nuit de récup. La semaine prochaine, c'est zéro craquage, hydratation à mort comme je fais avant chaque course. Demain soir, je vais manger au restaurant avec ma petite soeur, donc je vais boire sûrement 1 ou 2 apéros. Mais c'est terminé jusqu'à la semaine prochaine. Après, c'est nada, finito, pipo. Et puis voilà, pour tout ça, je vais rentrer, je vais retrouver ma petite famille. Et ce soir, je pense que je vais me faire une petite séance d'étirement et tout, ça me fera du bien. Vous verrez, mais je suis allée à la pharmacie, j'étais récupérer mes médicaments et j'ai fait des petites emplettes sur certaines choses qui me manquaient. Et j'ai acheté du baume du tigre pour mélanger à mon nid d'arnica parce qu'on me l'a conseillé de mettre du baume du tigre. J'étais à la Pôle hier, j'ai un peu fait la dingue. On a essayé des espèces de figures sur les genoux, j'ai des bleus sur les genoux et j'ai mal. Voilà, mais c'est pas la course, c'est vraiment le coup. Et je veux pas que ça me pénalise, donc je vais bien me masser au niveau des genoux et tout. Je vais bien faire voilà, des échauffements, des étirements, etc. Je me suis échauffée avant ma course, là. Chose que je fais très rarement, c'est pas bien, mais il faut vraiment que je m'échauffe plus avant de partir. Surtout que là, plus ça va et plus dans mes projets, je vais devoir faire de longues distances. Donc, il faut vraiment que je pense à m'échauffer. Et puis voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire là pour le moment. Voilà, écoutez, je vous ferai voir tout ça en rentrant. Je vais retrouver ma famille. Les enfants ne sont pas du tout simples en ce moment. Vincent, hier, je suis rentrée, il en avait un peu lourd sur la patate. Je sais pas si ça se dit ça. Il en avait un peu lourd. Il n'était pas ouf. Il n'était pas ouf. Bref. J'ai lancé sur Instagram aussi une petite foire aux questions où vous puissiez me poser vos questions sur, sur les vidéos pour tous en maillot. Puisque voilà, j'ai compris les gars. Que ce soit sur YouTube ou sur Insta, vous la voulez. Ça me fait grave plaisir vos commentaires à chaque fois quand je vois ça. Je vais vous la faire. Donc si vous avez des questions sur l'alimentation, le sport, tous en maillot, des trucs de merde ou des situations aussi. J'aurais bien aimé faire genre 3 vidéos, une situation alimentation, une vidéo alimentation, une vidéo genre récap où j'en suis, etc. Le sport que je fais. Et la troisième, genre situation, style vos situations à vous. Et que je prenne 2-3 exemples, ça pourrait être sympa que je fasse une petite série de vidéos régulièrement sur ça. 2-3 exemples où chacune d'entre nous, on va se reconnaître j'en suis sûre, dans ce genre de situation. Et que je puisse vous essayer de vous aiguiller ou de vous conseiller sur ce que vous pouvez faire pour vous sentir bien. Ou des fois juste de papoter sur certaines situations, un avis externe. Ou juste de pouvoir juste se lâcher, de dire voilà, putain, en ce moment je vis ça, je peux plus me blairer dans une glace, nananana. Pendant 2 jours je tiens le truc, 3 jours après je suis en train de me taper tout le paquet de pitch. Enfin vous voyez. Et je pense que ça ferait du bien qu'on fasse une petite mini thèse, des petites mini vidéos, des petites mini séries sur ça. Donc bah, n'hésitez pas à m'écrire, à me dire ce que vous en pensez. Et puis on mettra tout ça en action, puisqu'après je vais être de nuit et j'aurai beaucoup plus de temps. Parce qu'après ça sera la fin. Oh là 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 là. Bon, je suis désolée, il va y avoir des pleurs. Je vous fais voir un petit peu ce que j'ai acheté à la pharmacie. Bon, sauf ça parce que c'est pour ma gorge. J'ai acheté ça, j'ai repris l'huile de massage et il y avait ça offert avec coup choc, chute. Je me suis repris du baume du tigre. Ça c'est pour Raphaël, garde à doux. Ça c'est pour Maeve, mais elle va me ramener celle qui est pétée.
Je veux pas de commentaires en mode ouais, ta fille, tu devrais lui faire enlever la titi. Oui, on essaye. Sauf qu'en fait, c'est soit ça, soit on dort pas. Donc au bout d'un moment, voilà. Je choisis le sommeil. Et ça, c'est la crème pour Raphaël. Et des fois qu'on met aussi sur les enfants, ça dépend. Je l'ai pris en. Ouais, mais il faut un ciseau, mais vite. Je l'ai pris en format pocket, comme ça. C'est plus pratique avec le packaging. Il faut faire attention aux crèmes solaires. En dessous de 4 ans, généralement 3-4 ans, il faut bien prendre avec. Où ça soit marqué minéral, comme ça, là. C'est important. Je vous avais fait une vidéo sur ça, où elle doit dater cette vidéo. Il faudrait que je vous la mette en suggestion, je pense qu'on va rire. Sur mes produits solaires fétiches. J'ai repris du stock Mustela. Ensuite, bon, ça c'est mon grip pour la pole. Et dedans, j'ai repris un soin. Là, là, je vais vous faire voir. J'ai repris un soin pour les cheveux. Et j'ai acheté ça hier. Alors, j'ai fait pas mal de petits achats à tape à l'œil. Il y a des choses que je ne vais pas vous faire voir parce que c'est des cadeaux. Et j'ai acheté ça hier, un Maivy. Un maillot de bonne pièce parce qu'il va en falloir pour le mois de juin pour l'école. Il lui faut un maillot de bonne pièce et j'ai acheté que deux pièces. Ça lui va trop petit. Donc, je vais lui échanger ça. Et puis voilà, j'essaierai d'y aller avec elle. Ce sera peut-être plus simple, je sais pas comment, mais. Faudra que j'aille avec elle. Moment de repas. Bébé Raph est en train de manger steak haché, concombre. Et je sais plus ce qu'il a mangé d'autre. Je sais plus ce qu'il a mangé d'autre avec. Mémoire courte. J'ai fait des petites tomates mozzarella. Donc du coup, j'ai mis des tomates différentes. J'ai mis des jaunes, des noires et des rouges. Avec une mozzarella classique que j'ai acheté à grands frais. Elles étaient à 89 centimes en promo. Et franchement, elles ont l'air vachement bonnes. Maïvie est en train de se régaler. Puisque Maïvie, elle est en train de manger ses tomates mozza. Et après, on fait des tortillas. Du coup, Maïvie, elle veut que de la viande hachée dedans. C'est ça ? Avec un peu de salade. Oh, on n'en a pas de la salade. Non, mais je vais te mettre un petit peu de fromage dedans. Un petit peu de comté. Sinon, t'es pas obligé de manger la... Il y a du comté, il y a du chèvre. Maman, elle a acheté du chèvre. Maïvie, tu peux manger que le steak si tu veux. Et je vais faire des fraises en dessert. Dans ça, bah, je veux du chèvre. Du chèvre. Et moi, je vais mettre des champignons et tout. Mais bon, ça, j'y ferai quand les enfants seront au lit. On a sorti du steak haché pour Vincent. Et moi, je me suis sorti du filet de poulax. Et au frais, mais j'ai fait des concombres aussi. Mais j'ai refait ma sauce. Sauf que j'ai mis du vinaigre comme ça, là. De aromatisé aux noix, huile de colza et sirop d'agave. J'ai une collègue de travail qui m'a apporté du thym de chez elle parce qu'elle avait pitié de ma voix et elle m'a dit « Je veux que tu lui fasses des infusions thym, miel d'acacia avec du citron. » Donc là, je vais en faire et elle me dit « Tu t'en fais un petit peu dans une casserole, tu en mets, après tu filtres parce que j'ai pas de boule à thé. » Je ne bois pas de thé en règle générale. Donc voilà. J'ai des filtres à café, donc elle m'a dit bah parfait. Après, tu passes tout au filtre à café, tu laisses bien infuser. Elle me dit tu te fais de façon de boire ça 3 fois par jour, matin, midi et soir. Donc je vais en préparer en plusieurs quantités. Et puis voilà, écoutez, apparemment ça va guérir ma gorge et ça a des effets anti-inflammatoires. Bon, je venais là-bas chercher mon gilet parce que j'ai un peu froid, je suis en. Je suis en mode des gaines du dimanche, limite. Je suis trop bien dedans. J'aime bien, moi. Il faudrait que je regarde pendant les sols s'il y en a d'autres. J'ai une tache, là. C'est de la crème, je crois, de tout à l'heure. J'adore les petits... Alors bon, ils me voient un peu grand maintenant. C'est une taille L. Mais j'aime bien parce que c'est large. Et moi, j'aime bien être dans le large. Hein, voilà. Et du coup, c'est les petits débardeurs comme ça que j'avais acheté quand... c'était en promo, les petits bateaux. J'en ai un comme ça et avec les cœurs. Mais si vous saviez comment j'adore... être dedans pour dormir et tout, je suis trop bien. Après, je regarde quand il y aura d'autres promos petits bateaux, en sachant que moi, pyjama, des fois quand il y a des t-shirts que vous avez trop mis qui sont un peu tachés, machin, des fois je les mets en pyjama moi. Franchement, c'est comme les gosses. Avant, je me ruinais dans les pyjamas. Maintenant, je leur achète des fois des trucs tout pas chers à Kiabi, les leggings, les t-shirts tout pas chers. Ou l'été, elles mettent les t-shirts qui sont un peu justes. Hein, voilà, les shorts, les machins. Enfin, moi, c'est récup. Hein. Des fois, il y a des tenues du jour qui font pige. Hein. Pff, voilà, rien à faire. Bref, à la base, donc voilà, je venais récupérer mon vieux gilet que j'adore. Voilà, celui-là, je ne le jetterai jamais, je pense.
Quand Vincent me voit comme ça, il me dit j'ai l'impression que ça fait 7 ans que je te vois bien pareil. Tu n'as pas tort, tu n'as pas tort. Ah, j'aurais pu vous faire voir tant que je suis dans la chambre. Les petites affaires de bébé Raph, non? Ouais, je vous ferai voir demain, j'ai la flemme. Demain, je vous ferai voir les affaires que j'avais achetées, que j'ai achetées à bébé Raph pour son anniversaire. Et je voulais juste passer par là pour vous faire voir du coup l'avancement des travaux. Vincent a dû vous prendre des prises. Donc je vais vous les mettre ici avec une musique All de Paso. Tout de suite, là, maintenant. Voilà, c'était l'instant musical travaux. Il a fait, il m'a dit j'ai pris des petites prises avant après. Souvent je lui dis oh, oublie pas, oublie pas. Ah oui. Non, là-bas. Ah là-bas, là-bas les chiens. S'il vous plaît, 2 secondes, je vous ai pas essuyé les patounes. Là-bas, là-bas, passe. Attendez, je vous mets comme ça pour vous faire voir. Ah oui, attendez, mais oui, il a mis tout placo. Ah oui, ça fait pièce hein, du coup. Ah oui. Il a bien travaillé, il a mis toute la laine de verre et tout le placo, il a fini. Attendez, je retourne pour vous faire voir, mais je peux pas trop marcher. Mais je vais essayer de vous faire voir au plus près. Sachant que là où je suis, ça n'existera plus, hein. Ça va être un mur. Donc vous voyez, il a mis tout le placo partout. Et là où il y aura le verre, ça sera notre salle de bain. Ça va faire grand quand même. Hein. Ça va faire grand. Et là, ça sera toute notre chambre. Voilà. Oui, je suis contente. Je suis contente, ça avance. Ça avance et il en chie un peu parce qu'il n'a pas beaucoup de créneaux pour faire entre ses chantiers et tout. Ou quand il a les enfants, donc... Non, en vrai, je suis bien contente. C'est cool. Il va falloir qu'il termine, oui, il en manque là-haut. Et il va falloir qu'il fasse le ratissage, la délimitation de la pièce. Là, il a commencé à mettre le rail, vous voyez. Et voilà. Ça va être cool. Oh, je suis contente. Franchement, en vrai, je suis grave contente. Quand je vois toute la merde qui nous reste, les gars. C'est ouf. Il a posé la pompe à chaleur aussi jeudi avec tonton. Mais là il pleut et tout, donc je vous ferai voir une autre fois pour la piscine, vous savez. Mais voilà, écoutez, je suis bien fière de lui. Je vais vous laisser là, j'ai déjà préparé mes trucs pour demain. Je ne les ferai pas tout de suite. En plus, il faut que je range la panière là, qui est toute prête d'hier. Et j'ai un autre sèche-linge à ranger. Donc demain matin, je m'en vais plus près tranquillou. Là, on va manger parce que j'ai une dalle intergalactique. Je voulais commencer mon vlog avant de faire les... parce que là, je vais vous poster. Donc là, on est vendredi aujourd'hui. Et là, je vais vous poster le vlog de mercredi ce soir. Et demain, je vous posterai le vlog d'aujourd'hui. Voilà. Je vois un petit peu de décalage, mais... Ah si, c'est bon. Ça y est. J'avais peur qu'il y ait des doublons. Je pense pas. Et j'ai des prix sur mon téléphone en plus, donc faut vraiment que je fasse le tri. Allez, je vous laisse là. On va manger. Petit poulet marinade. On l'a fait par nos soins. Hein, voilà. Il y a du curcuma, paprika, un peu d'ail. Vincent, lui, c'était caché. Et j'ai remué il y a pas longtemps. Hein. Et tomates mozza. Il reste du concombre. Et on fait des frites de patates douces. Voilà, écoutez, je vous laisse là, parce que j'ai la voix là, plus je parle et plus ça me fait mal, fin de journée en plus. Je vous fais des bisous et je vous reprends demain, nouvelle journée, et puis ça y est, terminé la semaine. Vous avez sûrement peut-être un week-end de 3 jours en plus, il y en a, ils doivent pas bosser beaucoup, hein, ce mois de mai là, il y en a, ça doit être tranquille, tranquille. Hein. Allez, je vous fais des bisous les gars, et puis je vous dis à demain, bisous. No pasan las horas, baby, te espero, no importa si te demora. Ey, a paso lento, sé que te gusta que toque tu cuerpo. La noche es nuestra, tómate tu tiempo.